dame de l'Isadi. Okay. Voilà, donc c'est Mireille. Concernant la crise de SOS. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va très bien monsieur, et vous-même? Oui, ça va, ça va, il faut le dire. Donc maintenant, là, vous voulez porter une complémentarité sur ce que vient de dire votre collègue? Oui, donc voilà, on est une plateforme d'écoute qui se situe à Bellefontaine. Et on fait de l'écoute pour des personnes qui sont en détresse psychologique, en crise suicidaire et tout ça. Donc on fait des écoutes, des personnes qui ont été violées, qui contre l'inceste, d'accord? Et en ce moment, on embauche. Donc les personnes passent, laissent leur nom, leur prénom, et puis notre présidente les contacte. Et ils font 3 jours de formation. Et ensuite, eh ben, ils sont bénévoles à SOS Crimes, à Bellefontaine. Voilà, à Bellefontaine. Donc vous avez parlé d'embauche et après vous parlez bénévolat. C'est du bénévolat. On embauche, on cherche des personnes pour les écoutants, quoi. Ah, d'accord. Voilà. Donc, mais c'est du bénévolat. Bénévolat, oui. Mais vous avez parlé d'embauche avant ça. Ouais, c'est une trompaison. Ah, ok, madame. Eh bien, c'est gentil. On a bien entendu. D'accord. Donc, on vous souhaite que de bonnes choses pour la continuité. Et puis, d'accord. Que tout ça va se passer. Oui, bien sûr. Oh là là. Excusez-moi. Non. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Passez une très bonne journée. Puis, merci pour l'écoute. C'est gentil, madame. Voilà. Au plaisir, c'est Adi FM, ma journée. D'accord, merci. D'accord.